Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec mes favoris de ce mois-ci. J'ai vraiment pas grand-chose comparé à mes précédents favoris. Ce mois-ci en fait j'ai mis quasiment toujours les mêmes choses et en fait c'est surtout des produits que j'ai achetés plutôt en fin de mois, donc que je mettrai pas dans mes favoris de ce mois-ci, mais plutôt le mois prochain. Donc voilà, veuillez excuser ma tête de cadavre. Je suis pas du tout maquillée, juste aux yeux et aux lèvres. Au niveau du teint, pardon, j'ai rien parce que je pèle partout. C'est une catastrophe. Donc et puis bon, il est un peu 7h30, je rentre d'une journée shopping solde et je suis absolument lessivée. Mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que j'ai pas le temps en fait. Je suis en vacances et voilà, et je manque de temps. Donc c'est terrible. Bref, donc on va passer tout d'abord à tout ce qui est maquillage. Donc en fait, ce sont des produits que vous avez déjà vus. Donc il n'y a aucune nouveauté dans mes favoris. Donc ce sera peut-être pas les favoris les plus intéressants que je vous aurais proposé jusqu'à maintenant. Mais c'est pas grave. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de vidéos. Moi la première. Donc voilà. Donc en make-up, niveau rouge à lèvres. J'ai beaucoup mis le Kiko, c'est le numéro 11 que je vous avais déjà montré. Je ne me rappelle même plus si j'avais mis en favori ou pas. Je ne fais pas trop un zoom, sinon vous allez voir que je pèle partout. C'est horrible. Voilà. Donc en fait, c'est un rose un petit peu foncé quand même. Mais pour l'été, il relève bien le maquillage. Il est vraiment très joli. Et pour le prix, je crois qu'il est dans les 3 euros. Et encore, je suis pas sûre. Enfin, c'est vraiment dérisoire. Ensuite, vous l'avez déjà vu, toujours, c'est pas une nouveauté. C'est le mascara Volume Fast and Perfect de chez Bourjois. Avec, vous savez, la brosse rotative à 360 degrés. Le truc un petit peu gadget, mais qui est juste super. Donc, vous avez la brosse comme ceci et elle le tourne grâce à un bouton. Enfin, oui, un bouton. Et ça fait ce sens-là et le sens inverse. Et vous pouvez également la mettre en mode arrêt et poser votre mascara normalement. Donc, c'est le Volume Fast and Perfect. Donc ça s'est un petit peu effacé. Donc pareil, ce mascara, depuis que je vais, je n'utilise que celui-ci. Il est vraiment, vraiment bien. Moi, par contre, je l'ai acheté chez Marionneau, je crois. Ouais, je l'ai acheté chez Marionneau. Je crois qu'il était dans les 17,90 €. Je crois que c'est ça. Et une de mes abonnées m'a dit qu'elle avait trouvé pour moins de 10 € dans je crois que c'était un supermarché, un truc comme ça. Et donc voilà, franchement, il y a une énorme différence de prix entre les parfumeries et les supermarchés aux grandes surfaces. Donc malheureusement, moi, dans les grandes surfaces ou les supermarchés que j'ai près de chez moi, ils font pas Bourjois. Donc pas de peau, je suis obligée d'aller en parfumerie, de payer plein pot. Mais voilà, si vous avez la chance d'avoir un stand Bourjois dans vos supermarchés, allez-y jeter un coup d'œil, parce que s'il est moins de 10 €, ben, ça vaut carrément le coup. Bon, même à 17 € je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, alors là c'est absolument pas une nouveauté, c'est la palette Naked de chez Urban Decay. Donc ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, depuis sa sortie en fait. Et ce mois-ci, j'avais un petit peu la flemme, comme vous le savez, j'ai passé mes épreuves du bac et j'avais vraiment la flemme de me maquiller, donc je me suis très 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 peu maquillée. C'était quasiment que du mascara et du rouge à lèvres. Et quand je me maquillais, j'utilisais la palette Naked. Donc qui est vraiment super. Pendant un temps, en fait, je vous avoue que j'ai failli la revendre parce que j'utilisais justement pas beaucoup. Et puis en fait, un jour, j'ai ressorti et il se trouve que ce mois-ci, je l'ai quasiment utilisée toutes les semaines, quoi. Voilà. Donc vous avez plusieurs fards. Donc vous avez des fards mats, des fards irisés. Donc dans les tons, sont des tons assez nudes, comme le nom de la palette l'indique. Mais vous pouvez tout aussi bien faire des smokies, notamment avec ces deux couleurs-là que j'ai beaucoup beaucoup utilisées. J'ai principalement utilisé en fait les deux, la Gunmetal et celle-ci. Et les trois couleurs que j'aime beaucoup, celle-ci, Virgin également, enfin Sidecar, bref, tout quoi. Et ensuite, pour le dernier article, maquillage, en fait je l'ai eu plutôt en fin de mois. Donc j'ai un petit peu triché, j'ai pas utilisé tout le mois, mais j'ai utilisé depuis que je l'ai en tout cas. C'est un blush MAC, donc il est encore sous plastique parce que j'attends d'avoir. J'ai commandé une palette de blush chez Germaine, dont on adore toutes les make-up. Et donc voilà, je l'attends, je vais la recevoir en début de semaine. Et en attendant, donc elle est toujours sous plastique.
Et c'est un blush que m'a envoyé gentiment la sœur donc de Julie Out of Beauty qui était partie au Canada. Et donc voilà, qui m'a gentiment proposé de me ramener le blush crème. C'est un crème blend blush, je crois. Et c'est le Something Special. Donc il est magnifique, quoi. Donc il est comme ceci. C'est un rose corail, en fait. Et il est absolument magnifique. La texture est géniale. J'avais déjà essayé le blush crème de chez MAC. Et je dois vous avouer que j'avais pas été entièrement séduite. Je trouvais qu'il s'estompait pas hyper, hyper bien. Et là, celui-ci, il s'estompe incroyablement bien. Il se fond bien à la peau et la couleur, c'est hyper pigmenté. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. Vraiment très très belle la couleur. Donc c'est hyper crémeux forcément, mais et ça dessèche pas la peau, ça tient super longtemps. Donc, moi, j'en suis vraiment très très contente. Donc encore une fois, merci Julie. Voilà pour la partie make-up. Et ensuite, j'ai trois autres produits plutôt soins, on va dire. Donc tout d'abord, c'est la crème triacnale de chez Aven. Parce qu'en fait, ça fait quelques mois, ça fait presque 2 mois en fait, que je me coltine des boutons sur la zone du menton, notamment ici et ici un petit peu. Et voilà, ce sont des boutons que je n'arrive pas à faire partir, qui me gavent énormément. Mais... Donc je vais peut-être pas zoomer parce que ça me gave assez de les voir, donc je vais peut-être pas vous les montrer. C'est pas très glamour. Mais voilà, pour cela, j'ai acheté donc depuis... ça fait quoi? Ça fait un mois je pense que je l'ai acheté. Et depuis, je l'utilise tous les jours. Donc c'est la crème triacnale de chez Aven. Donc qui est comme ceci. Donc j'ai acheté en parapharmacie, je me rappelle plus du prix. Donc ils disent favoriser l'élimination des imperfections sévères. Donc pour les peaux jeunes à problème. Bref. Pour les peaux à problème quoi. Donc moi je l'applique tous les soirs. Faut pas l'appliquer le matin parce que ça a une texture. Ça a une couleur assez jaunâtre en fait. Et la texture ça colle un petit peu. Donc tous les soirs avant de me coucher, enfin une fois m'être démaquillée, j'applique sur la zone à problème. Et donc je laisse agir toute la nuit, et donc ce sont pas des... Disons qu'on voit pas les résultats tout de suite. Là vous voyez, donc je vous disais, ça fait 2 mois que je l'ai, et je vois vraiment, depuis que je l'utilise, des résultats. Ça commence à s'estomper doucement, ça diminue. Du moins je n'ai pas d'autres en plus, donc c'est déjà énorme. Et donc là j'ai commencé un nouveau... J'ai changé en fait ma routine soin, et du coup ça va beaucoup mieux. Ensuite, toujours de chez Aven, c'est le nettoyant sans savon que j'ai utilisé tout le mois. Et vous voyez, en un mois, ce que j'ai utilisé, c'est super économique, je trouve. Parce qu'en un mois, tous les soirs, je l'ai utilisé. Donc c'est pour nettoyer la peau, pour purifier. Donc c'est pour les peaux, notamment donc jeunes à problème et notamment plus particulièrement grasses, on va dire. Et donc en fait, les deux associés, plus d'autres produits que j'utilise... c'est un bon, une bonne combinaison en fait, donc qui est vraiment génial. L'odeur, j'adore. Et puis, et pareil, j'ai vu des résultats depuis que j'utilise. Je trouve que j'ai moins de boutons, même si j'ai toujours ceux-là, mais j'en ai pas d'autres qui arrivent en fait. J'ai toujours les mêmes, donc certes, ils ne sont pas partis du jour au lendemain, ils sont encore là, mais j'en ai pas eu d'autres depuis. Et je sais pas, je vois que ma peau a changé, je vois vraiment de nets résultats, donc. Je ne pouvais pas ne pas citer le gel nettoyant sans savon de chez Aven. Voilà, et pour le dernier favori, c'est en fait pareil, je l'ai reçu en milieu de mois, je crois, à peu près. Donc en fait, c'est un masque de chez Kiehl's, donc qui est comme ceci, qui est le Deep Pore Rare Hair Deep Pore Cleansing Mask. Voilà. Et qui est en fait que j'avais entendu parler sur la chaîne de Makeup Chanel, donc notamment. Et qui notamment aime beaucoup beaucoup les produits Kiehl's. Et elle m'a énormément tenté notamment avec ce masque, entre autres, parce qu'elle me tente toujours. Mais sinon, c'est un masque donc qui est comme ceci. Il est absolument à tomber ce masque. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Alors il est assez cher par contre, je l'ai payé 38€. Ouais, il vaut 30. Je l'ai payé sur internet, donc sur le site Kiehl's, à 38€. Donc il fait 142 grammes le pot.
Donc ça va, c'est assez raisonnable, sachant qu'en fait, il en faut pas énormément. La première fois, je m'en suis tartiné tout ce que j'ai pu, mais en fait, il en faut pas énormément. Et je laisse poser 10 à 15 minutes environ. La dernière fois, j'ai débordé jusqu'à 20, mais j'en suis pas morte. Et au contraire, mon grain de paumé, c'est une merveille, quoi. Depuis que je l'utilise, les pores sont vachement plus resserrés. Notamment ce matin, comme je vous l'ai dit, donc certes, je pèle, donc j'ai pas pu mettre de fond de teint. Et franchement, je regardais mes pores, en fait, je me suis aperçue qu'on les voyait presque plus. Elles sont hyper resserrées, elles sont vraiment. Elles sont beaucoup moins dilatées qu'avant, c'est incroyable. Donc, je suis sûre que c'est la combinaison, donc notamment du masque et de tous les autres produits que j'utilise pour les produits soins. Mais je vous ferai une review, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, les filles, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.